Yo YouTube, comment allez-vous? C'était super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un nouvel unboxing, comme je vous avais dit hier, je vous avais prévenu que vous en aurez un nouveau aujourd'hui. Donc voilà, c'est voilà qui est fait. Avant de commencer, pour ceux qui ont regardé mon unboxing d'hier, donc sur mon trépied, il se trouve que j'avais oublié de vous préciser un petit truc, c'est que les pieds sont extensibles en fait. Donc moi je vous avais montré qu'ils faisaient à peu près la taille d'une main, et en fait les pieds sont extensibles de 7 cm, donc vous pouvez gagner 7 cm. Et moi, malgré tout ça, j'ai encore mis un support en plus parce que c'est beaucoup plus simple pour moi voir ce que je filme. Et j'ai encore mis quelque chose en dessous, en plus des pieds extensibles, j'ai encore rajouté un truc. Comme ça, c'est plus simple pour moi et vous, vous verrez mieux. Voilà. Donc voilà, on commence. Donc c'est la même boîte qu'hier, hein, pour ceux qui ont regardé mon unboxing pour le trépied. J'ai remis tout dans la petite boîte. Alors, là, encore une fois, il n'y a pas de titre, il y aura un titre demain. Tout simplement pour regarder, pour que vous ayez la surprise jusqu'au bout. Et donc ceux qui veulent vraiment avoir la surprise jusqu'au bout, ne regardez pas la description, parce que la description je la mets quand même. Donc si vous en foutez d'avoir la surprise, vous pouvez la regarder, mais si vous voulez avoir la surprise, ne regardez pas la description. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Alors hop, on va tourner le truc. Voilà, vous voyez bien comme ça. Donc voilà, voilà ce que j'ai acheté. Donc jusqu'à présent, vous ne voyez peut-être pas encore ce que c'est. C'est SteelSeries, donc c'est de la marque. Pour ceux qui connaissent SteelSeries, ils font des claviers, des casques, le Siberia V2 par exemple, qui est assez connu. Et voilà, et ils font aussi des tapis de souris, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai acheté. Parce que tout simplement, celui que j'ai, il glissait trop. Parce qu'il avait. C'était un gratuit, et si vous voulez, l'intérieur, enfin, la partie qui est au sol. Eh ben, c'était du tissu, enfin c'était du mousse, et donc ça glissait facilement, tandis qu'ici, j'espère que vous allez voir, on va faire un petit focus, voilà. Vous voyez bien, donc vous voyez, il est marqué tapis de souris en tissu super résistant, et puis en dessous il est marqué base en caoutchouc conçu pour ne pas glisser, voilà. Il est marqué ici. Et vous avez les dimensions aussi plus bas. Je vous le mets bien, si vous voulez voir, vous n'avez plus qu'à faire pause. Attendez, parce que là vous ne voyez absolument rien. Voilà, c'est beau ça. Voilà, 25 cm sur 21, donc ça fait exactement la même taille que celui que j'avais avant. Pour ceux qui s'intéressent, il y a trois tailles de dispo. Il y a cette taille-ci, donc ça c'est le mini, vous voyez, Quick Mini. Là, il y a le moyen et il y a le grand. Moi j'ai pris le mini parce que j'avais pas besoin de plus grand. Ça fait exactement la taille de celui que j'avais avant. Voilà, donc c'est un tapis de souris gaming. Pour le moment, je ne me servirai pas encore, mais quand j'ai vu le prix sur Amazon, c'est quand même assez intéressant. Donc, pour ceux qui s'intéressent, j'ai payé ça 6,49€ en nouveau. 6,49€ et il ne dérape pas du tout. Parce que j'ai déjà sorti pour vérifier. Et parce qu'en fait, j'avais déjà fait. Il y a eu un problème avec la première vidéo, donc j'ai dû recommencer. Donc, j'ai déjà pu voir un peu à quoi ça ressemblait. Voilà. Et donc aussi dans la boîte, il y a le tapis là, enroulé comme ça, donc je vous conseille de mettre des bouquins dessus pour qu'il reste bien plat après. Et il y a aussi un petit autocollant SteelSeries que moi j'ai collé sur mon écran de PC, voilà. Si vous êtes intéressé, voilà ce que vous avez aussi avec. Donc voilà le revêtement qu'il y a en dessous, vous voyez bien comme ça. Il y a du caoutchouc, mais il y a comme des petites pattes comme ça, et donc ça permet de bien adhérer au sol. Donc voilà à quoi il ressemble. On va virer le carton. Voilà, vous voyez, il est un peu ondulé, ça c'est normal, mettez des bouquins dessus, vous laissez ça 2-3 heures et puis c'est bon. Donc voilà, par rapport à ma main, il fait à peu près deux fois ma main, donc 21 sur 25, dans ce sens là, 25, 21, voilà. Avec le petit logo SteelSeries, et l'autocollant, il est exactement comme ça, et moi je l'ai collé sur mon pied. Ça peut-être une fois dans ma prochaine vidéo, c'est voilà. Donc voilà, tapis que je vous conseille. Donc voilà, je vais vous montrer. Par exemple, là, je mets ma main dessus, je bouge, vous voyez, ma main elle bouge, mais il n'y a pas moyen de faire bouger le tapis. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc que vous dire de plus, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Si ce n'est que je vous le conseille, après ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour bouger leur souris. Je vous conseille le modèle au-dessus parce que vous voyez,
Ça, c'est le petit. Et donc, si vous êtes habitué de bouger beaucoup avec votre souris, prenez le moyen. Et le grand, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un grand, parce que à mon avis, ça doit être énorme le grand. Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir. À part pour ceux qui... Non, franchement, je ne sais pas. Voilà. Donc moi, je vous conseille le moyen si vous voulez vraiment avoir de la place. Et si vous, comme moi, vous avez assez avec cette taille-là, donc 21 sur 25, prenez le petit. Ça vaut 6,49€ sur Amazon. Vous aurez le lien dans la description, bien évidemment. Et donc, son point positif, c'est surtout qu'il ne bouge pas. Sinon, j'aurais bien gardé mon autre tapis que j'avais eu gratuit. Mais celui-ci ne bouge absolument pas, donc vous pouvez acheter ça en toute confiance. Vous ne serez absolument pas déçu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cet unboxing, pas grand chose, hein, mais franchement, un petit tapis bien sympathique que je vous conseille. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner surtout à la chaîne, et voilà, laissez un petit j'aime, la partager aussi la vidéo si vous voulez, et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans la description, il y aura le lien Amazon pour acheter le petit tapis. Voilà, allez, tchou !